Un gel du prix des carburants, c'était la demande de Gilles Simeone et Jean-Guy Talamoni à l'État en novembre dernier. Et effectivement, ces dernières semaines, les prix ont même eu tendance à baisser. Mais pour des raisons conjoncturelles seulement. Avec l'annulation de la hausse des taxes par le gouvernement d'abord, et surtout grâce à la chute du prix du baril. Ça fait 2 mois que le prix est à la baisse. Donc forcément, nous répercutons à notre clientèle la baisse du prix du Brent et la facturation que nous fait notre pétrolier. On ne prend pas beaucoup de marge. Donc si on nous impose un blocage des prix et une marge à minima, nous ne pourrons plus payer nos salariés. Il faudrait donc regarder en amont, du côté de l'État et des fournisseurs. Le président de l'Assemblée de Corse propose par exemple la création d'un fonds social de solidarité financé par les distributeurs de carburant. Les fonds récoltés serviraient à verser de l'argent aux automobilistes les plus défavorisés. Moi, j'ai eu un accord de principe de la part du groupe Vito Rubi. Hein, lorsque j'ai proposé, à l'occasion de notre première réunion, j'ai proposé ce dispositif. Et puis, les deux autres fournisseurs que j'ai rencontrés par la suite m'ont dit ne pas être opposés à une participation. Dans l'île, le taux de TVA sur les carburants est de 13% contre 20% sur le continent. Les départements d'outre-mer, eux, jouissent carrément d'une exonération. Difficile à étendre à la Corse, selon la préfète. Certains avaient même imaginé que le préfet puisse fixer le prix du carburant. Ça, c'est possible grâce à un décret, le décret Victorin Lurel, mais ça ne s'applique qu'au territoire d'outre-mer. Je me suis renseignée néanmoins. C'est un système extrêmement complexe qui n'est pas forcément la solution aux problèmes rencontrés en Corse. Prochain rendez-vous pour traiter le problème, une conférence sociale à Bastia, prévue le 9 janvier prochain.